parle comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Moi, un soldat de première classe. Au fort, au courageux, on renonce la crainte, on pas peur. Et nous vous combattons au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, on renonce à tout malheur de la chair. Et ce matin, nous avons un témoignage extraordinaire. Alors, nous avons cette jeune fille de Life Ministries de Trou de Douce. Et dites-moi comment, depuis quelques temps, qu'il y a un problème d'hémorroïdes. Et elle a souffert avec ça, et même depuis une semaine, elle n'est plus malade. Et elle n'est pas pensé même qu'elle n'est pas venir à la plage. Mais elle dit que le matin même, avant les rentrées, elle peut toujours souffrir. Mais là, quand on finit de prier pour lui après ce baptême, elle dit qu'elle n'a aucune douleur. Et nous donne toute la gloire, tout l'honneur pour le Seigneur. Et nous donne le témoignage extraordinaire, toujours de Henshun et de l'administrice de Pointe-Sable. Et là, elle raconte-moi comment, avant qu'elle vienne pour ce baptême, et même depuis quelques temps, et tout le temps, elle a l'esprit de peur. Et même quand il n'a pas le fait de projet, n'importe qui se licence, tout le temps, ça la peur là. Et elle est un petit peu hésitée pour ce baptême aujourd'hui. Mais disons-moi, c'est extraordinaire quand elle finit pour ce baptême là. Disons-moi, elle sent une grande paix, une grande joie. Et les amis de tout l'honneur, toute la gloire. Et quand ils sont ici dans le monde, ils sont l'homme. Et nous donnons toute la gloire pour le Seigneur. Merci Jésus. Bon, ça c'est nos frères de Life Ministries de Woodlands. Et les amis comme ça, qui étaient à l'église auparavant. Mais il n'est pas si sérieux, il n'est pas si sensé. Mais il a raconté comment il prend une décision. Il dit non, ça là, il a le bizarre pour quelque chose arrivé dans sa vie. Et là, aujourd'hui, le 2 novembre, il a accepté pour donner son équerre à Christ. Et il dit moi, quand il est sorti dans sa de là, il dit moi, il est extra content, c'est juste la joie. Et il donne tout l'honneur, toute la gloire pour le Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, c'est la première fois qu'il me sent libre. Et parce que nous avons une mariée sorti à vous dépasser, qu'on parlait du temps, un moment vraiment béni. Et on m'invite dans les autres du monde, vivre ça l'expérience. Hein.